Alors ce soir, on va faire déguster à Alexandre un petit Mozac en appellation Limoux. Je pense pas qu'il connaisse, c'est les frères Barnatas, donc je pense pas qu'il va trouver. Ça va être la surprise. Je vous montre la chaussette. Hop, l'étiquette Aimez-nous, très joli nom quand même. Et puis du coup, on va aller le retrouver pour On n'y connaît rien. Et puis qui déguste et qui nous dit ce qu'il en pense. À tout de suite. Donc là, les amis, moi, j'y connais rien, mais Aurélie, elle y connaît beaucoup. Donc, je vais essayer d'assurer un peu. Donc, qu'est-ce que tu m'as amené, chère Aurélie ? Tu vas devoir deviner, Alexandre. Il manque Pierre, notre acolyte, notre troisième acolyte de dégustation. On pense bien à toi, Pierre. Et la prochaine, on la fera ensemble. Écoute, il a une... Il a une couleur... Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Je te repasse le relais. Mais oui, Alex. Donc j'ai quelques minutes pour... déjà, il a une couleur un peu... Ouais, un peu paille, un peu or, quoi, quand même. Il a une jolie couleur, ouais. C'est pas un Sauvignon. Aurélie, j'ai l'impression, parce que comme je vous disais, Aurélie, elle est sommelière. Donc, faut pas que je passe trop pour un branque. Non, ouais, il a une super belle couleur, il est assez... il est pas limpide, mais bon, belle couleur. C'est un vin de copain que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il a pas un nez hyper prononcé, tu vois. Je trouve que le nez, il est discret, quoi. Premier nez, deuxième nez, ouais, effectivement. Hein, c'est vrai, hein. Mais c'est la couleur qui m'intrigue. Au nez, ouais, je pourrais pas te dire grand-chose. Alors, je vais le goûter. Et comme je suis monomaniaque, forcément, c'est un monocépage. Non, monomaniaque, je plaisante, hein, c'est vrai. Monocépage, c'est vrai. J'ai un crachoir maison. Ah, c'est super bon. C'est super bon, c'est assez fin, c'est... Il y a un peu de gras quand même. Ouais, c'est gras. Ouais. Il y a l'acidité, elle n'est pas hyper prononcée, je trouve. Il y a de l'acidité, mais... Ouais, 2 sur 5, quoi, non. Peut-être qu'elle n'est pas assez fraîche, mais pourtant... Non, mais c'est très subtil, très soyeux. Ah, c'est bon. C'est bon, il y a une petite âpreté légère qui est agréable. Ouais, il y a une petite caudalie quand même qui est pas mal. Qui reste bien. C'est fou la différence entre le nez et je trouve ce qu'il y a en bouche. Il y a une petite matière. Ouais. C'est intéressant cette mâche aussi pour manger ou faire des accords. Alors je sais pas, c'est quoi ça? Et alors à ton avis, on est dans quelle partie de la France? Parce que bon, je te dis que c'est un français, ouais. Hein, j'ai pas pris étranger, c'est quoi? Ouais, c'est vrai qu'il a, t'as raison, il est assez gras, il y a vachement de. Il parle pas mal là sur le verre quand même. Je sais pas, j'ai envie de dire, je sais pas, ça me fait... Je pense pas que ce soit du sud de la France quand même, trop. Je retrouve pas le Sauvignon. Je connais pas beaucoup de cépages, en blanc non plus, hein. J'ai pas ton niveau, mais je retrouve pas le Sauvignon. Non, mais si vous avez... Je retrouve pas le Chenin. Ouais, donc déjà tu procèdes par élimination. Je retrouve pas le Chardot. Je trouve pas le Grenache blanc non plus. Donc après, c'est un peu par élimination. Peut-être que c'est quelque chose que tu connais pas, en fait. Peut-être que je connais pas. Petit mansang, gros mansang. Ok, j'ai dit tous les cépages que je connaissais. Non. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Je trouve ça doux, je trouve ça... Je dirais... Soit j'hésite entre la Drôme, un peu, et j'hésite entre un peu la... quand même la... La Loire. Je sais pas, je trouve pas que ce soit trop sud. J'irais plutôt la Loire, quoi, quand même. Okay. Donc si c'est la Loire, ça serait plutôt Chenin, quoi. Ou Cabernet... Non, Sauvignon, je sais pas. Écoute, je vais dire Chenin-Loire, quand même. Ok. C'est mon feeling. Et alors je découvre la bouteille. Mais vraiment, vraiment, je suis hyper dur. Et là, ouais. On est à l'autre bout de la France. Ouais. On est sur une jolie cuvée Aimez-nous, déjà le nom. Ouais. À Limoux. C'est Limoux. Oh. Donc c'est du Chardot? Non, c'est un Mozac. Mozac. 100% Mozac. Attends, bouge pas. Regarde bien. Regardez bien.
Regarde bien, avant que tu arrives, parce que je savais que tu allais venir, j'ai lu ça là. Les cépages G20. Putain, c'est incroyable. Et je regarde le sommaire et je vois marqué. Mozac. Il est où? Mozac, page 74. Et avant que tu viennes, Aurélie, j'ai lu. C'est un 100% Mozac ? 100%. Regarde, j'ai lu ça.